Bonjour à tous, c'est ici Crash Breaker. Et ben voilà, comme prévu, je vous l'avais annoncé depuis maintenant 1 ou 2 semaines. Donc voilà, ben j'ai enfin Need for Speed, donc voilà, je vais vous le faire découvrir avec cette petite vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que sur cette vidéo, je vais faire sûrement la première, parce qu'il y aura sûrement une première course depuis. Déjà, on peut pas. Donc ouais, je vais faire la première course déjà pour faire découvrir un peu le jeu. Et puis après, je referai plusieurs vidéos. Je pense d'ici demain, je vous ferai découvrir tous les types de courses, les modèles de voitures. Mais bon, là, on va déjà commencer par le début. Donc, et puis, vraiment, vous faire juste découvrir le début du jeu, quoi. Allez, c'est parti, jouer. What the fuck? Lancer épreuve. Voilà, donc apparemment, bon, moi j'avais eu la bêta et visiblement on peut pas, ouais, ça fait comme The Crew, on peut pas récupérer la sauvegarde de la bêta. Ce qui est logique. Bon, désolé, un peu de chargement. Je lance en même temps que je fais la vidéo, donc voilà, c'est un petit peu long. Allez, hop, petite vidéo pour lancer le jeu. Relax, ils sont super loin. Ouais, mais je suis en conditionnel. Je me casse. Mauviette. Eh tiens, il faut absolument que tu viennes, mec. Il y aura les meilleurs. Je te présenterai à mon pote Travis. Il a plusieurs caisses à refourguer, mec, je te jure. Ce sera l'occasion de passer à une autre catégorie. Eh, moi, c'est Spike. On se voit là-bas, d'accord? Allez, toute chaud, bonne soirée. Pêche-le lui. Petite Ford escorte. Yo, c'est Spike. Je pensais te trouver sur Blar. Écoute, c'est la folie ce soir. Je te jure, il y a du beau monde à Ventura Bay. Alors, viens vite, mais fais attention. L'endroit est pas facile à trouver. Si tu vois ce que je veux dire. Viens, je t'envoie. Déjà, il y a une meilleure prise en main dans la bêta, j'ai l'impression. Parce que dans la bêta, c'était vachement. La direction était vachement bizarre. Là, j'ai l'impression que c'est déjà beaucoup plus souple la direction. Déjà un bon point parce que c'est quand même chaud dans la bêta. Hop, un peu pour moi. Ouais. Voilà, donc je pense que dans les prochaines vidéos, je vous montrerai un peu toutes les courses qu'il y a parce qu'il y en a beaucoup de styles de courses. Bon, je vous laisse la vidéo. On en reparle après. Oh mec, t'es venu! Eh, pas mal le petit style.
Il y a du beau monde ce soir. Viens, je vais te présenter ma bande. Allez, viens. Ah, hey. Regardez qui voilà. Tu me présentes pas ? Eh, hey, ce mec vient de drifter sur 150 mètres sur une bretelle de l'I5 à hauteur de Turner. C'était malade. Oh, il en a laissé de la gomme, crois-moi. Ça devait envoyer. La dernière fois que Spike était autant à fond, c'était... Ah ben non, il est toujours comme ça. C'est pour ça que tu m'aimes. Robin, essaie d'être à la hauteur. T'en fais pas pour lui, c'est un bon. Et justement, je l'emmène voir Travis. Je vais lui demander de bouger quelques caisses pour qu'on puisse bosser. Allez, suis-moi. Salut, Amy. Voici Amy. Mignonne, non ? Ouais, moi aussi, je t'aime. Travis ? Yo ! J'ai quelqu'un à te présenter. Ah ouais ? Et pourquoi ? Oh mec, il faut que tu le vois à l'œuvre. Il a un super coup de volant. Bon. Là, je plaisante pas. T'as l'air d'avoir tapé dans l'œil de Mister Roléo. Carrément. C'est un bon, crois-moi. Tu te pointes au bon moment, toi. Y'a de super pilotes en ville. Toujours. Qui ont envie de marquer l'histoire. T'as un sacré bol, mon vieux. Les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour démarrer un projet. Alors si t'as réellement quelque chose dans le ventre, comme il dit, je te conseille de leur montrer ce que tu vaux. Oula. Mets la misère à un de ces guignols. Peut-être que quelqu'un te remarquera, qui sait. Bon. Donc voilà les trois voitures qu'on pourra choisir des barres du jeu. Honda Civic Type R de 2000, Ford Mustang Fox Body 1990 et donc cette Subaru BRZ Premium de 2014. Donc je pense que le choix va vite être fait. On va aller chez Subaru. Allez hop. Oh, c'est chaud, moi. Ah, faut vraiment s'y habituer. Mais bon, c'est déjà beaucoup moins difficile que... Beaucoup moins difficile que dans la bêta, quand même. Ou alors c'est que j'ai pris l'habitude, je pense aussi. C'est vrai que c'est vraiment une conduite différente des autres missions Speed. T'as survécu à deux courses contre Spike alors ? Je t'ai sous-estimé en dîner. Survécu ? Tu rigoles, c'est Spike qui avait du mal à suivre. Ah, excuse-moi. Il avait pas du mal à suivre, il était complètement largué. Ça te fait plaisir. Ah, Emmanuel ! Emmanuel ! Viens voir par là. Mais qui a... Posé. Salut les filles. Bah alors, et moi mec ? Allez ! Ah, le problème c'est que ça m'embêterait de briser ta petite carcasse de moineau. Allez, viens là mon grand, viens faire un câlin. Je te fie pas aux apparences mec, il est super vif derrière un volant. Moi c'est Emmanuel, mais ça fait encore trop de syllabes pour ces andouilles. Appelle-moi Manu. Oh Manu, qu'est-ce que tu fais là, gros ? Oh, belle voile. Empêche-le, lui. Hey, lui, c'est Fred, le marteau norvégien. Salut, mec, Frédéric. Bon, on va arsouiller en ville ou on reste ici, à chambrer Spike ? Moi, je dis les deux. Excellent, on va manger un bout. J'ai pas assez mangé ce soir, perso, j'ai trop la dalle. Sérieux, à quoi ça rime ? Tu manges trop et Manu, rien. Ouais, Robin, à ce rythme-là, tu vas nous flinguer tes amortisseurs. Très bien, grand malin. Le dernier arrivé, paie l'addition. Non, non, le dernier arrivé invite tout le monde.
Les passe quand même plus facilement que dans la bêta les adversaires. Je sais pas s'il y a un niveau de difficulté pour le voir, parce que là c'est quand même bien. Ah oh putain, empêche-le. Oh la vache. Désolé pour le gros mot. Ce carton. Hein. $5 C'est un resto. $5 Celui-là qui va payer la voiture. Et pas de dessert, mec. Tu vas payer les dégâts de sa voiture, il faudra plus de $5. J'aurai l'adresse d'une seconde à l'autre. Oh, pour moi, je pense que ça va se finir en boîte. T'as gagné ? Tu rigoles ? La soirée fait que commencer, les gars. Et pour moi, c'est course. Moi, je vais rentrer à l'atelier. Tu veux venir voir ? Je te ferai un petit peu de place si tu veux. Oh, elle va s'occuper de toi, vieux. T'es jaloux, Spikey? Ouais, c'est ça, comme je suis jaloux des gens qui roulent à 90. Je vous avais vu Travis ce soir? Ouais, il devait voir quelqu'un. Ah, tu peux pas test. Magnus Walker est de passage. Je l'ai vu discuter avec Travis en boîte. Oh, c'est pour ça que Spike est pressé. Il a un rendez-vous. Avec le destin, mon vieux. Ce soir, ça va chauffer. Hé, hey, tu nous feras voir ce que t'as dans le ventre, ok? Ouais, mec. Donc voilà, les premières courses ont été faites. Donc dans cette prochaine, bah dans la prochaine vidéo, je vous ferai, parce que bon, je vous mettrai la, en direct la, comme ça je vais customiser la voiture, tout ce qui est moteur et carrosserie, tout ce qui est mécanique et carrosserie, et voilà, parce que là, il est retrouvé mis au garage, donc c'est ça. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. J'espère qu'il y a peut-être pas ce que vous attendez le plus, mais bon voilà, comme ça au moins, parce que je peux pas tout faire en une vidéo, parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Voilà, et ben je vous dis à très vite, et j'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo, et surtout aimer, partager, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis bon, bah je vous dis à la prochaine. Toute chose, c'était Crash Breaker. Welcome to the war. If this is a crisis, you're prepared for disaster.